Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On vient de se lever, donc voilà nos têtes, hein. Ça c'est pas grave. Ça fait pas tellement longtemps qu'on est levé, ah. Bon là en France il est presque... 6h30 en France. Voilà, 6h30. Bon là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le scooter, la petite Ferrari là comme d'habitude, on va faire un petit tour. On va trouver son frère, il va nous emmener dans un petit resto, c'est dans un petit resto pour déjeuner. Ensuite on va aller à la muscu. Je pense qu'après la muscu on va manger un petit truc encore une fois parce qu'on fait que manger. Et après on verra bien, on vous emmène avec nous, c'est parti. C'est parti. Bon, ça y est, on vient d'arriver au restaurant pour déjeuner, qui est juste derrière nous. Il est pas indiqué sur les panneaux, en fait, si tu connais pas, il faut connaître, voilà. Si tu connais pas, t'es dans la merde. Voilà, qui est juste derrière, on va vous filmer tout ça. En fait, il est caché. Hein. Comment il s'appelle, le resto? Le resto, il a pas de nom. Il a pas de nom. Il est même pas indiqué, le restaurant. J'ai mangé deux repas, c'était trop bon. Là c'était juste le petit déjeuner. Alors imaginez. Maintenant il faut traverser. Regardez ce qu'il y a derrière. Une course. Voilà, c'est direction musculation avec notre petite Ferrari comme d'habitude. Et on va peut-être tomber en panne d'essence. Ici pour mettre de l'essence c'est la galère, demande à Olivier. T'as un type, il a un truc bizarre sur la bouffe là, on le voit pas, on dirait un Al-Qaïda quoi. Tu donnes 10 bahts, non 100 bahts, ça fait 1 euro et t'as le plein. C'est énorme. On va vous montrer ça après, donc après on va être obligé de mettre de l'essence. Le mec il fait peur, tu mets le mec en France. C'est un terroriste! Ah ouais, même moi il m'a fait peur! Laisse tomber, on continue, allez! Bon ça y est, on vient d'arriver devant la salle de muscu qui fait aussi salle de Muay Thai. Voilà comme on a fait dans la précédente vidéo. On va vous filmer notre séance, c'est parti, let's go. I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it. I played it in a sense, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. L'eau, c'est trop bon. Dans 20 ou 30 ans, il n'y en aura plus. Pour ceux qui se demandent, le prix de la séance, c'est 150 bahts, qui fait à peu près 4 euros. Ouais, voilà. C'est pas tellement cher. En France, tu peux compter 10 euros, voire 30 euros le mois l'abonnement. Ça dépend. Ça dépend des salles.
Mais voilà, on continue, c'est parti. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, voilà, on vient de finir la séance de muscu, on est crevé, il fait trop chaud, le soleil tape à fond. Bah, en plus moi je suis tout rouge, regardez, et ça brûle, ça tape trop sur ma peau. Bon là on doit lui faire de la monnaie parce qu'on avait que 1000 bahts et on devait donner 350 bahts au total. On va faire de la monnaie dans un supermarché, ça s'appelle 7-Eleven, c'est voilà. Comme Lidl, c'est comme c'est pareil. On fait de la monnaie, après on met de l'essence, comme ça on vous montre. Ensuite on va se doucher et tout et on va voir les éléphants normalement. Allez, c'est parti. Vous avez pas dit qu'il faisait peur. Et encore, c'est pas le même. Là, il a un truc rose. Parfois, il avait un truc noir. Il faisait peur. Bon, là, il pleut de plus en plus. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, ça y est, on est prêt pour aller voir des éléphants. Ça y est, ouais. On va aller en faire et tout pour voir. J'en ai jamais fait, on verra ce que ça va donner. On a un peu de route en scooter. Et là, il s'est mis à pleuvoir. Regardez. Parce qu'ici, il fait tellement chaud que. Il pleut. Il pleut l'après-midi. Le matin, il fait super beau. Et du coup, l'après-midi, des orages. Enfin, après, voilà. Pas longtemps, mais il pleut quand même. Mais c'est de la pluie chaude, c'est pas de la pluie comme en France. C'est parti, on prend le scooter. Let's go.